je vous écoute. Je te trouve d'un sexy. Ça se déroule bien? Ah oui, ça se déroule très bien. C'est juste ce qu'il nous fallait. Tu as fait un sacré boulot. Grâce à Alex, c'est lui qui m'a aidé à tout organiser. Hé, hey, les gars, c'est du bon boulot. T'as eu les investisseurs en ligne? Non, j'attends. Ils doivent m'appeler d'une minute à l'autre. Oh, Rick, quand tu les auras, dis-leur bien qu'il y a un monde fou ici, d'accord? Et toi? Dis à Alex que... Non, fais-lui une tape amicale pour moi. Entendu. De la part de Rick. J'ai dit une tape amicale, pas une caresse. Désolée, j'ai glissé. Bon, je te laisse, j'ai un autre appel. C'est peut-être eux. D'accord. Alors? On attend d'autres stars? Espérons-le. Ils sont passés, les gars, là? Ah, le monsieur macho, sans sa chemise. C'est un kamikaze, ce mec-là. Y a aucun mal à ça. Dis donc, tout est minable, là. Il dégage bientôt de ma montagne. J'ai mes clients sérieux, moi. Ta montagne? Oh, d'accord. Notre montagne. Désolé. Hé, hey, tu joues à quoi avec ce truc, là? Quel truc? Tu trouves ça convenable qu'un moniteur se mette à boire durant le service? Oh, elle est choquée. C'est tout ce qu'on vous apprend dans ta fichue école? Excusez-moi, vous disiez? Oui, je disais que de fortes chutes de neige sont prévues cette année. D'accord, mais la station est lourdement endettée. Les investisseurs sont pas très chauds, vous savez. Mais moi, je pense que c'est très rentable d'investir dans cette station. La situation est bien meilleure qu'il n'y paraît. Je ne vous dis pas le contraire, mais je ne peux rien vous promettre. Rappelez-moi et tenez-moi au courant s'il se décide, d'accord? Oui, on se rappelle. À bientôt. D'accord. Mauvaise nouvelle, les investisseurs rechignent à mettre un sou dans l'affaire. C'est compréhensible. Qu'est-ce que tu fais là? La compétition est finie? Non, si je suis venue, c'est parce que je voulais te parler de Scott. Lorraine, non, on verra ça plus tard, d'accord? Mais Rick, tu trouves ça normal qu'il se pavane en public avec une flasque d'alcool? De temps en temps, c'est pas très grave. De temps en temps? C'est un alcoolique. Un directeur est censé représenter l'image d'une station. Je lui suis redevable, c'est lui qui m'a fait venir. Écoute, je sais que tu t'es toujours montré très loyal envers tes amis. Possible que ce soit un bon moniteur de ski. Mais il est nul comme directeur, Rick. Et son attitude est néfaste pour nous tous. Et tu proposes quoi comme solution? Oh, mais j'en ai une. Donne-moi sa place. Tu sais que j'en ai les capacités. Je suis capable de faire du bon boulot. Et puis ce serait génial. Pour nous. Ça va le tuer, voyons. Je sais que c'est une décision difficile à prendre, mais t'inquiète pas, il s'en remettra, c'est un dur à cuire. Et tiens, Alex, je le vois bien comme directeur des pistes. Une chose à la fois, d'accord? Laisse-moi un peu de temps, je vais y réfléchir. D'accord. Il faut que j'y aille. On m'attend pour la remise des prix. Mais t'es mignonne comme tout. Ce n'est pas de gagner ou perdre qui compte. Si on est là, c'est pour le fun. D'accord? Ouais, 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 ouais. Ah oui, écoutez-les. Aujourd'hui, l'indéniable champion de cette grande compétition est... Scoob, quoi de neuf? Ah, je me suis pris un de ses pieds, j'ai dévalé la piste perdue, c'était d'enfer. Dis-moi, combien de fois je t'ai dit de ne pas faire de hors-piste? Hey mec, je voulais tester un peu la neige, il y en a un sacré paquet sur la corniche.
Ah, y a une drôle de coulée qui est arrivée cette nuit à 1 km en haut des pistes. J'avoue que j'aime pas trop ça. Ah, ça te fout la pétoche. Allez, salut Alex. Ouais, salut Scoop. Alors, quoi de neuf? Les investisseurs nous ont lâchés. Ah bon? Ça, c'est dur. Écoute, j'ai réfléchi. Il va falloir changer l'image de la station. Et se focaliser sur le snowboard, par exemple. Il faut attirer une foule de jeunes. Non, t'es sérieux? Je te signale qu'on n'a pas le choix. On est au bord de la banqueroute, Scott. Tu crois qu'on évitera la banqueroute grâce à une bande de mômes débiles trop fauchés pour acheter un carnet de tickets? Ils apportent même leurs boissons, ces tarés. Pourquoi pas des tickets resto tant qu'ils y sont? Ce n'est qu'un début. Et Lorraine, elle a eu ce matin de bonnes idées pour nous sortir de là. Ah oui, je vois. Elle est jeune. Elle sait comment faire venir un public jeune. À une certaine époque, un médaillé olympique comme je l'ai été, ça suffisait à l'image de la station. C'est Lorraine qui dirigera la station à ta place. On n'a rien à perdre, de toute façon, ça peut pas être pire. Tu me demandes de me retirer? Non, je te laisse ta chère montagne. Tu la connais mieux que personne ici. Et s'il te plaît, Scott, fais un effort. Entendu. C'était chouette, non? Terrible, tu veux dire. C'est toi le chef. Oh, merci. Mais pas de harcèlement sexuel, sinon je sévis. Entendu. Alex est parti tester la qualité de la neige sur la piste verte. Salut, Scott. Tu veux regarder ma nouvelle parabole? On verra ça plus tard, je regarde la compétition à la télé. Ça fait un tabac. Ouais. Alex et Lorraine, les inséparables. Il faut bien avouer une chose, c'est que ça a marché. Oui, les jeunes savent ce que les jeunes veulent. Écoute, comment dire, tu sais, parfois, j'ai les yeux qui traînent. Mais t'as remarqué quoi? Bah, des choses, les regards, des petits gestes discrets. L'amour est aveugle. Si je te le dis pas, qui va le faire? Alors, garde bien les yeux ouverts. Merci du conseil. Bon, tu viens ou pas? Non, je crois pas. Comme tu veux. Au fait, Scott, vas-y tout doux sur la bouteille. Ça t'attaque le cerveau. Oui, oui, capitaine.
Hé, hey, ça en jette, non? Demain, je me le fais sur la B2. C'est vrai que la cuvette B2 est un couloir d'avalanche. Je pourrais même dire que c'est un plongeon vers la tombe. Une paroi verticale qui te donne le frisson, mec. Oh, les gars, c'est pas un truc utopique, cette descente, c'est faisable. Bah ouais, tiens. Je me suis déjà fait 49 couloirs et j'ai hâte de me faire mon petit 50e. Bouh. Vous êtes dingue. Et on ne vit qu'une fois. Et oui, peut-être, mais j'aimerais assez qu'elle dure un peu. Et dites, à ce propos, est-ce qu'on a du matériel de sécurité, genre transmetteur? Simon, relax, mec. On est des pros. On laisse ce matériel aux nanas. T'as aucune crainte à avoir. Toi, t'es planté là-haut et tu filmes. Bien. T'inquiète. Les gars, laissez-moi le numéro de vos proches, au cas où. Ah, Lorraine. Toutes mes félicitations. Il paraît que t'as eu la petite idée de génie pour relancer la station. Une idée comme une autre. Une idée comme une autre. Une idée comme une autre. Moi, je la trouve plutôt peu commune. Faut dire qu'elle te donne une très chouette promotion. Scott, tu n'es pas fâché, j'espère. Non, 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 non. Et pourquoi je le serais? Tu sais, ça n'a rien de personnel. Alors là, je suis pas d'accord. Au contraire, t'essayes de m'écarter. Moi, mon seul souci, c'est de rester loyal envers mon ami. La loyauté, c'est bien ça, son grand problème. Ah, et la tienne. Aïe. La tournée. Non, 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 je ne bois plus. Un verre. Non, 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 non. Hein? Juste un dernier. Allez. Hé, hey mec, bois un coup. Pourquoi pas? Vous avez drôlement assuré, les gars. Primo, il remporte cette coupe. Et là, c'est la B2. On boit à la B2. B2, 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 B2. Les gars. Désolé de vous décevoir, mais la B2 n'est pas ouverte. C'est une question de sécurité. Qui c'est, lui? Écoutez, je suis votre plus grand supporter. J'admire ce que vous faites. Mais sécurité d'abord. Oh, monsieur le pisteur, merci de me coucouner. C'est instable, là-haut. La B2 est fermée. C'est trop dangereux. Oh, c'est dingue. Vous entendez ça? Maman gronde et dit non, c'est dangereux. Pas de problème, on se la fera sur le bord. Et la mort, on la regardera dans les yeux. Non, attendez, j'aimerais que vous m'expliquiez. C'est quoi au juste votre trip de la mort? C'est pour vous prouver que vous en avez? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez petite comme ça, hein? Ah tiens, monsieur le pisteur paraît intéressé par nos pantalons. Il se dit que pour lui, c'est déjà du passé, tout ça. Si je vous chope là-bas, les gars, vous allez voir. Prison et amende. Je vous aurais prévenu. Est-ce que c'est clair? Ah oui, limpide. Merci de vos bons conseils. Ces snowboarders, je te jure, ils ont à peine le QI d'une olive. Oui, et même pas un sou pour s'en acheter une. Greg, file-moi la même chose que Scott. En tout cas, t'as un sacré pot, c'est une bosseuse, ta copine. Ma copine? Oui, tu sais bien. La femme de Rick. Toi et Lorraine, ça fonctionne comme sur des roulettes. Oh, tu parles de la compétition? Lorraine, elle est géniale. Elle a un sens inné de l'organisation. Oh, ça, c'est une maligne. Écoute, Scott, il y a un risque d'avalanche du côté des crêtes cette nuit. Et alors, chaque année, ça arrive. J'ai fait une analyse et à mon avis, la couche neigeuse est plutôt instable. Au moindre choc, elle peut craquer. Écoutez-le, ça pour craquer. J'en connais une qui a pas hésité. C'était si prévisible.
Un regard, un geste et le tour est joué. Écoute-moi, les tests que j'ai effectués montrent que le vent a déposé une couche de neige sur la glace. Elle est prête à glisser. Je vois déjà le gros titre en pleine page. Alex... Non. Alex, le chevalier au service des avalanches fantômes. Scott, ça me paraît urgent de fermer la zone B2. Si on pose différents explosifs, ça provoquera une coulée. Oh là là, c'est qu'il est très sérieux. Mais comment ? Ça risque d'être catastrophique. J'ai vu débouler plus d'avalanches que tu n'en as rêvé dans ta carrière de coureur de jupons. C'est mon boulot et je me chargerai de ça demain. Pendant ce temps-là, profites-en bien et va jouer avec ta copine. Oh, il fait froid dehors. Il fait bon ici. Viens te coucher, ça te réchauffera. J'ai envie de jouer. Quel genre de jeu ? Imagine que nous sommes trois dans ce lit. Avec une autre fille ? Non, avec un homme. Oh. Et ce serait quel genre ? À toi de me le dire. N'en ai aucun en tête. Tu en es sûr. Hey Simon, j'ai pris ça pour toi, tiens. C'est un lecteur de CD. Et quoi? T'es nul, c'est un émetteur. Ah, je me disais aussi. Et comment ça marche? Ça ne marche pas si tu n'as rien pour localiser l'appel. Je me tue à te dire que c'est bon pour les nanas. L'écoute pas, Simon. Prends-le si tu te sens mieux avec, d'accord? Merci. Répondez. Oui, Alex, c'est Lorraine. Je t'écoute. J'ai un souci. J'ai reçu un appel du service des parcs. Une grosse avalanche a déboulé cette nuit sur la route. Elle a emporté une ligne à haute tension et une voiture. T'inquiète pas, on arrive, d'accord ?
Il faut fermer les pistes? Surtout pas. Si on fait ça, il n'y a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Je vais mettre Scott sur le coup. Il fera sauter toute la zone d'avalanche. Magne-toi, Simon, tu nous ralentis, là. 13 à 7, répondez. Scott, tu me reçois? Réponds-moi! Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Je vais avec Alex. Et pourquoi tirer avec Alex? Tu ne sais pas comment contrôler une avalanche. Très juste. C'est pour ça que j'y vais. Ouais, on arrive. On va monter les explosifs. D'accord, sois prudent en montant. Qu'est-ce qui se passe? T'as la tête vissée à l'envers ou quoi? T'étais censé t'occuper de tous les sites d'avalanche hier. Il n'y avait pas d'urgence. Dieu sait si Alex t'a alerté, mais t'as fait ta tête de lard. C'est pas sérieux, Scott. Vas-y, grimpe. Fais gaffe, avant je conduisais un taxi. Alors accroche-toi bien, d'accord? Compris. Je me charge de tout. T'es pas en état de faire quoi que ce soit. Oh, ma tête. Je suis vraiment désolé, Rick. Je te promets, c'est vrai, ça ne m'arrivera plus jamais. C'est terminé, je te jure. Rick. Simon, j'ai un mal fou à respirer, c'est pas la grande forme. Ah, 3000 mètres, c'est très dur pour un gars de la ville. 3000 mètres? J'aurais dû apporter de l'oxygène, c'est vrai. Même les avions en ont besoin à cette altitude. Fume une cigarette. Très drôle. Non, je suis sérieux, ça dilate les poumons. Voilà, là-haut. On va installer une ligne d'explosifs le long de la crête. Attends, je préfère que tu t'assoies devant moi. Ça risque de devenir un peu sportif à partir d'ici. D'accord. C'est toi qui décides. Prête? Allez, c'est parti! Dernier arrêt, tout le monde descend. Eh bien, bonjour les courbatures de ma... Bien sûr, pour une fille de la ville. Avant, j'avais un chopper, monsieur le montagnard. Un chopper? Ouais. Je t'aurais jamais imaginé sur un chopper, je dois dire. Allez, au boulot. D'accord. Fais gaffe, on s'enfonce. D'accord. On va là-bas. Là, ça me paraît bien. Alors, ça se passe comment?
Je vais te montrer. Les charges sont programmées pour exploser dans 2 heures. Une fois installées et amorcées, on va aller se mettre à l'abri et on les fera exploser manuellement avec la télécommande. C'est lancé. Combien faut-il d'explosifs ? 8 devrait faire l'affaire. 8 ? Hein ? Tu vas pas de main morte ! On va pas tous les déclencher en même temps. Ah ? Il vaut mieux les faire sauter séparément. Comme ça, l'avalanche restera sous contrôle. Et qu'est-ce qui se passerait si on déclenchait les 8 ? Oh bon sang, ce serait monstrueux. Sacrée avalanche. En fait, ça toucherait les pistes. Ouais, elles n'existeraient plus. Ah d'accord. Allez, plus que 6. On y est. Wouhou, ça va saigner. Plus qu'un et c'est fini. Admirez ça, grouille-toi! Je vous présente la redoutable et infâme cuvette B2. On va s'éclater, les mecs. Allez, fichons le camp d'ici. D'accord. Bon, ma poule. Un dernier mot pour la postérité. Ouais, action. Yeah.
Ça me paraît être suffisamment abrité ici. Mais pourquoi on se met pas en bas de la cuvette? On verrait mieux. L'avalanche va débouler à 300 à l'heure. Je retire la question. Et là, tu fais quoi? Comme je te l'ai dit là-haut, on va utiliser le détonateur à distance. Ça y est, regarde. Chacun des explosifs est posé le long de cette ligne. Oui. D'accord. Et tu vois là-haut, à gauche de la crête? C'est là qu'on a installé la première charge. C'est celle qu'on va faire exploser en premier. Compris. Ne t'approche pas trop près, d'accord? Alex. C'est parti. Attends! Oh. Lorraine! J'ai vu un skieur! Thank you.
Tu les as vus? Non, introuvables. Mais qu'est-ce qui a pu arriver? Te fais pas de mouron, Alex sait ce qu'il a à faire. Il vaudrait mieux qu'il tarde pas trop, sinon on va se faire ramasser par les gardes. Peut-être qu'ils ont fait une pause dans le chalet d'Alex. Mais pourquoi ça? J'en sais rien, pour se réchauffer ou avaler un truc chaud. C'est mort. Je suis bloqué. Non, mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que je vais jouer la nounou pour une bande de snowboarders qui se croient tout permis? Et... pouf. Quatre à 13, répondez. Alex, c'est moi. Réponds, Alex. Il fait la noire ce matin. Il tournerait bien. Ça te va? Ouais, ça va. Par ici!
calme. Où êtes-vous? De ce côté. Aidez-moi. Où ça? Vers les arbres? Oui, vers les cybers. Aidez-moi. C'est pas vrai. Ça va? Essaie de me dégager. Je sens plus ma jambe ni mon bras. Attrape la hache à glace dans mon sac. Ah, c'est ça? Ouais. Ouais. Pourquoi tu continues pas? Ça sert à rien. Tu me sors de là ou quoi? J'ai la jambe pétée. Désolé, désolé. Vous avez une radio? J'ai déjà essayé, ça passe pas d'ici. Où est Lorraine? T'as vu Lorraine? Il y avait une fille avec vous? Oui, on a déclenché l'avalanche de là-haut. Alors l'explosion, c'était vous? La B2 était interdite. Je vous l'ai dit hier soir dans le bar, mais vous n'avez rien écouté. Bon, tu l'as vu ou pas? Non, vous êtes le seul que j'ai trouvé. Bon, va chercher de l'aide. Ça pourrait être dangereux. Il faut vous mettre absolument à l'abri. Bien pensé. Emmène-moi jusqu'au sapin. Et venez. Oh, pardon. Désolé. Désolé. Accrochez-vous. On va y arriver. Maladroit. Désolé. Désolé. Par là. D'accord. Tu t'appelles? Et Simon. Et vous, c'est Alex, c'est ça? Désolé. Arrête un peu de dire ça. Je dirais plus ça. Désolé. Bon, écoute, toi, tu fonces alerter les sauveteurs. Dis-leur bien qu'il reste 7 explosifs sur la crête nord de la B2, t'as compris? Ça va sauter? Oh, ça, y a aucun doute. Il doit nous rester une bonne heure en tout. Si tout saute en même temps, la station est foutue. Wow, ça craint. Bon, je fonce. Et au fait, par où je passe? Alex? Lorraine? Quelle poisse!
Hey ! Y a quelqu'un ? Allô, c'est important, répondez. Allô, il s'agit d'une urgence. Alors s'il vous plaît, si quelqu'un m'entend, répondez. Je te reçois. Oh, c'est génial. Une très importante avalanche s'est produite sur la B2. Il y a plusieurs blessés sur place et des charges sont prêtes à exploser. Simon, c'est moi. Alex ? T'es où ? Je me trouve dans un chalet. Je vois, t'es chez moi. Dites, pour le ménage, vous avez une bonne ou vous le faites vous-même ? Ma vie se trouve entre tes mains. Il nous reste combien de temps avant que tout nous tombe dessus ? Moins de 60 minutes, je te laisse foncer à la station, d'accord ? Vous sortez maintenant, allez, vas-y ! C'est démarré ! Allez, deux choses maintenant ! Allez, on fonce ! Allez, j'arrive ! On n'y voit rien ! Laisse-moi le premier, je rentre ! Mais non, reste là ! Où t'étais encore passé ? Nulle part. Comment ça, nulle part ? C'est la deuxième fois que je tente de t'avoir. Qu'est-ce que t'as fichu ? Eh ben, je voulais voir si Alex était chez lui. Mais alors, ils étaient là ? Ils y étaient ou non ? Scott, est-ce qu'ils étaient là ? Ouais, ils étaient là. Tu sais quoi ? Tu reprends ton ancien poste. Et la première chose à faire, c'est d'interdire les pistes. Je croyais que c'était pas possible. Écoute, tu fais ce que je te dis. C'est toi qui vois. C'est toi le patron. Eric, le service du parc t'a appelé sur la CB. Il faut fermer les pistes. Tout de suite ? Ouais, fais un appel. Avec prudence, désolé pour le désagrément. Et n'oubliez pas de récupérer vos papiers, c'est désagréable de devoir faire demi-tour. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et moi je remets plus les pieds dans cette station, c'est pas possible ! Ouais, t'as raison. C'est pas normal ! Simon ! Allez, écoute,
L'hélico vient de passer. Ils m'ont pas vu. Je vais me mettre à découvert au cas où ils reviendraient. Je suis en plein délire ou quoi? Possible que j'ai pas du tout dévalé la B2. Oui, c'est ça. Les nuls, ils m'ont mis de l'acide dans mon eau. Ouais, j'en suis sûr. Les nuages ne défilent pas aussi vite. Pas vrai? T'as bien grandement raison. Qui a parlé? C'est moi. Mais t'es qui, toi? Robbie. Robbie le rocher. Robbie? Je délire ou quoi? Ça y est, j'ai mis la planche. Je suis pas très doué, mais je vais me lancer. D'accord, Simon. À toi de jouer. Bonne chance. Oui, merci. Je crois que j'en aurai besoin. Ça glisse! Ah, n'oublie pas, faut rester plié. Dirige-toi avec ton pied arrière. Oh non! Ah, ça craint!
Hé, Alex, on fait comment pour s'arrêter? Tourne! Ça ralentira ta vitesse! Simon, est-ce que ça va? Simon? Réponds, qu'est-ce qui se passe? Il y a une main de femme qui dépasse dans la neige. Prends son pouls. Prendre son pouls? À quoi ça va servir? Elle est morte. Il faut s'en assurer. Alors fais ce que je t'ai dit, prends son pouls. Allons-y. D'accord. Il n'y a pas de pouls. C'est Lorraine. Robbie? Oui, Jack. Tu as l'air si vrai. Comme si tu étais réel. Ça t'arrive de penser à la mort? La mort? Bah, je sais pas trop, c'est quoi ça? C'est quand tu ne respires plus, quand tu cesses d'exister. T'es tout seul, les autres se fichent de toi. Et toi, dans ton cas, tu retournes en poussière. Mon vieux, c'est mon rôle de rester cloué là. Et je ne risque pas d'en bouger. Ouais. Arrivé en haut d'un autre versant. C'est drôlement escarpé par ici. Je prends quelle direction? Va tout droit. Eh non, je peux pas, c'est sacrément à pic devant moi. Je peux pas aller tout droit. Il y a toujours une solution. T'as qu'à voler. Hé, hey, Alex, vous vous sentez bien? Je sens plus ma jambe. Ce serait nettement plus marrant si j'avais une superbe nana à mes côtés qui ait le sens de l'Orient. Ah! Oh, c'est haut. Oh non. Robbie, t'es là? À l'aide. Allez,
Alors, ça va? Oh, bon sang. J'ai vu passer une avalanche. Elle a enseveli tout le monde sur son passage. Il faut les aider, le temps presse. Attends, comment ça, tout le monde? J'ai trouvé le pisteur, Alex. Et j'étais parti avec Jack, Tammy et Willy. Et d'après Alex, il y a une tripotée d'explosifs prêts à sauter au nord de la B2. Voilà son sac. Lorraine ! Lorraine ! Lorraine ! Rick ! Rick ! Lorraine ! Il a dû partir de ce côté. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il bougeait. On le voyait pas sous les arbres. Viens, on va le chercher. Je suis pas fou, c'était vert. Wow. Par là. Attends, tiens ça. Oui. J'y suis. Sortir de là. Il est en hypothermie. Est-ce qu'il est en vie? Attends. Oui, il respire.
Enlève-lui ses gants, il faut faire circuler le sang. Alex, où est Lorraine? Non, 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 il faut pas t'endormir. Alex, où est Lorraine? Bon sang, où est ma femme? Et laissez-le reprendre ses esprits, il est à peine conscient. Aide-moi, on va le mettre sur le scooter. Qu'est-ce qu'il est lourd? Allez. Prends-le sous le bras. Allez. Allez. Tu sais ce qui est? Je suis pas un crack. Bon, bah dans ce cas, t'as qu'à prendre le scooter. Moi? Ah non, non, je conduis pas ce truc-là. Est-ce que t'as une voiture? Et oui, on n'a pas le choix, t'as qu'à te débrouiller. Aide-moi à le soulever. Et si jamais il tombe, je fais quoi? Bah c'est vrai quoi, je suis pas doué pour jouer les Indiana Jones. Écoute, là t'as les gaz. Et là, c'est les freins. Tu fonces direction la station. Et pour les explosifs, ils sont censés se déclencher dans moins d'une heure. Eh ben justement, dépêche-toi! Fais sortir tout le monde d'ici et fais interdire toutes les pistes. La ligne est coupée. Alors demande du renfort par la CB. Où est Scott? Là, pourquoi? Toi et tes sales idées, débiles. Il ne s'est strictement rien passé entre ma femme et Alex. Et devine où il se trouve actuellement, sous une avalanche. Toujours rien? Continue, c'est urgent. Alex a posé des charges explosives sur le mont Frazier. Faut que j'y retourne. Colibri, ici Vallée 3, répondez. Tire-le vite de là. D'accord. Un coup de main. Rick. La ligne est toujours coupée. Il paraît que ça va souffler. Allez, debout. Ça va? Allez. Edith, je vous ai appelé quand vous étiez là-haut. Écoute, tu le déshabilles. Tu lui donnes une couverture et un bon thé chaud.
Et aux minutes, s'il me claque dans les doigts. Tu t'en sortiras, d'accord? Et tu demandes du renfort par la CB. Ben voyons. Je sauve Alex, j'appelle les renforts. Il faut tout faire dans cette baraque. Dis, c'est un peu tard pour jouer les héros. Tu connais pot de balle en explosif. Il nous reste à peu près 15 minutes, ça devrait... Ça devrait être jouable. Reçois. Ouais. Il me reste 10 minutes pour les désamorcer. Ça te suffira, tu crois? Bah, je promets rien. Toi, tu files dans 2 minutes. Désamorce. Et tu te tires de là très vite. Ouais, entendu. C'est pas vrai, t'es en vie. Oh, bon sang. Il y a plus qu'une minute. Après ça, tu te tires de là.
Je t'aime, chérie. Avoue que t'adores me voir attachée. Oh, non! Alex, un petit effort. Voilà, du thé chaud. Merci. J'ai cru que vous étiez foutu quand on vous a trouvé. Vous étiez complètement enseveli. Pas mal pour un citadin. C'est quoi ça? Ça ressemble bien à une avalanche. Il faut dégager d'ici. Ah. On va où? Quand il y a un tremblement de terre, on se planque derrière une porte. Oui, mais là, mon grand, c'est l'avalanche. Et vous avez une meilleure idée? Il faut pas rester là! Ça, c'est ce que j'appelle des scènes à la Bruce Willis, pas vrai? Hey.